veux déballer. Jean-Pierre est un monsieur frais déballé d'Europe. Et voyageant par goût. Il se dit philanthrope. Pour le mieux prouver, prodigue de l'argent, il le jette aux amis, en donne à l'indigent. Il se dit de famille honorable et connue. Grâce à beaucoup d'esprit, sa sœur est parvenue à pêcher pour époux un gros ambassadeur qui joue au diplomate avec beaucoup d'ardeur. Son frère aîné combat depuis une huitaine, ayant conquis déjà le rang de capitaine. Une autre de ses sœurs, d'une grande beauté, a pris le cœur d'un prince allemand redouté. Enfin, il se compose un système admirable, d'alliés de haut rang au blason honorable. Il fait bien. Parce qu'on vient de si loin pour tricher. Passer pour duc vaut mieux que passer pour cocher. Baptiste, le Canadien un peu bête et crédule, le regarde étonné. L'évite et puis l'adule. Il fait tous les honneurs de son humble maison. Bref, l'amuse durant une longue saison. Jean-Pierre, prétextant le retard d'une traite, emprunte de Baptiste et chaque jour sans dette. Si bien que pris d'ennui pour le pays natal, il s'enfuit à Paris et meurt à l'hôpital. Après son faux baron Baptiste court encore. D'avoir été si sous le chagrin le dévore. Il voit pour le payer de sa crédulité son cellier presque vide et son argent prêté. À l'ami qui veut bien le consoler, il jure de ne plus se livrer aux coureurs d'aventure. Mais un autre Jean-Pierre un jour débarquera. Il flattera Baptiste et Baptiste paiera.